écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Double anniversaire ce 24 février, la nationalisation des hydrocarbures et la création de l'UGTA. Les festivités auront lieu à Timimoun en présence du Premier ministre, de plusieurs ministres et du secrétaire général de l'UGTA. Le 24 février, une date charnière marquant le recouvrement total de la souveraineté nationale. L'Algérie avait montré le chemin au pays du tiers-monde. Et on s'arrête également sur le parcours de l'UGTA, 68 ans après sa création. Elle est le porte-voix des travailleurs, le dialogue est le moyen indiqué pour défendre les droits des travailleurs, souligne son secrétaire général. Le chaos règne à Gaza, pas de soins, pas de nourriture et les bombardements se poursuivent. Au moins 10 massacres perpétrés en 24 heures, faisant 104 martyrs. Et après les journalistes, l'armée sioniste cible les comédiens à la maison de Mohamed Zouaital, comédien suivi par plus d'un million de personnes, a été bombardé. Il est blessé, 23 autres assassinés. Football avec la Ligue des champions d'Afrique, faux pas interdit pour le Serbe Blues Dead face aux Youngs africaines de Tanzanie, le match à 17h. Et puis pluie, neige sur le nord de l'Algérie, le BMS est valide jusqu'à demain dimanche. Bonjour à tous. L'Algérie célèbre ce 24 février le double anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures et la création de l'UGTA. Les festivités auront lieu à Timimoun en présence du Premier ministre Nader Larbaoui, chargé par le président de la République Abdelmadjid Tebboune. Larbaoui effectue une visite de travail dans la wilaya. Il sera accompagné du ministre de l'Intérieur, Brahim Merad, du ministre de l'Énergie et d'Emile Mohamed Arqab, du ministre du Travail, Faisal Bentaleb, ainsi que du secrétaire général de l'UGTA, Amar Takjout. Le 24 février 1971, date de la nationalisation des hydrocarbures. Elle a marqué le recouvrement total de la souveraineté nationale et a signé un tournant dans les relations internationales de l'Algérie. Alain Seyssi. Le 24 février 71, devant la puissante Union Générale des Travailleurs Algériens, le président Fehou Ali Boumedine annonce la nationalisation des hydrocarbures. Une décision capitale pour l'avenir dans une nation où la souveraineté absolue est le principe fondamental de son existence. Boukhalfa Amazit, journaliste et historien. Parmi les objectifs que se fixaient les pères fondateurs, il y avait cette idée de restauration de l'État algérien. C'était répondre à cette ineptie qui était distribuée à longueur de page des livres d'histoire colonialiste, comme quoi l'Algérie est une création de la France. Donc, cela procédait de la restauration de l'État algérien. Un nouveau 1er novembre. Riyad Saïdaoui, analyste en géopolitique, spécialiste de la question algérienne. On pourrait considérer cette nationalisation, la nationalisation des hydrocarbures, c'est l'indépendance économique de l'Algérie. Une rupture avec l'exploitation du colonisateur français occidental, l'Algérie est devenue alors un pays souverain. La souveraineté nationale, une ligne rouge, jalousement préservée par une nation qui suscite aujourd'hui respect pour sa position immuable et constante en faveur des principes nobles, des causes des peuples qui demeurent sous l'emprise du colonialisme et de l'impérialisme économique. L'annonce de la nationalisation des hydrocarbures par Fehou Ali Boumedine a provoqué une onde de choc sur la place boursière mondiale alors que certaines voix du monde occidental se sont élevées pour semer le doute sur les capacités de l'Algérie à gérer ce secteur névralgique. Mais le défi a été relevé. L'Algérie a depuis montré le chemin au pays du tiers-monde. Samuel. Le 24 février 1971, date décisive marquée par la nationalisation des hydrocarbures, une décision clé qui a eu un impact des répercussions significatives sur le plan économique, politique, énergétique, visant à rompre avec les résidus laissés par le joug colonial. Professeur Ben Amar Mohamed El-Amin, recteur de l'université Ahmed Reiya, Wilaya d'Adrar. La date 4 février 1971 revêt une grande importance. Depuis cette période, les pays savent que le mécanisme de coopération, de solidarité et de former un bloc politique entre eux est le seul moyen qui leur permet de dominer leurs richesses, leur permettant de l'employer dans le processus de développement et de modernisation. Cette date marque aussi le début d'un véritable changement dans les rapports de force et d'influence. Autre date, le 24 février 1956, date de la création de l'Union Générale des Travailleurs Algériens. Ali Bataache, historien. Le souffle révolutionnaire a donné un élan au peuple algérien.
tout entier dans sa lutte libératrice. La création de l'UGTA à sa tête récidivire une manière de faire adhérer la classe ouvrière au combat libérateur vers l'indépendance, synonyme d'une amélioration sociale et la fin de l'économie impérialiste. Une journée historique célébrée à quelques jours d'un autre événement d'envergure, le 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz. Une occasion pour démontrer le potentiel de l'Algérie dans le secteur énergétique et son engagement dans la dynamique mondiale liée à la transition énergétique et environnementale. Et depuis cette date, beaucoup de difficultés ont été surmontées grâce aux compétences algériennes. La période des années 90 a été la plus délicate de la vie de l'ancien ministre de l'énergie Abdelmadjid Attar. Et précisons que la situation a été au final maîtrisée, il le dit. Ali Moukadou. La décennie 90 a connu une nouvelle organisation du domaine minier et surtout la mise en œuvre d'une nouvelle loi des hydrocarbures, la 86-14, publiée en 1986, qui a introduit un nouveau type de contrat de partenariat, le contrat de partage de production, introduit pour la première fois en Algérie. Après cette loi, et après une importante campagne de promotion du domaine minier dans le monde entier, et dès le début des années 90, nous avions réussi à mettre en œuvre 40 contrats d'associations avec les compagnies étrangères. Les travaux de recherche ont été à ce moment-là multipliés par 3 ou 4 et bien sûr abouti dès la fin des années 90 au renouvellement de toutes les réserves produites depuis 1971 malgré les conditions sécuritaires de l'époque, notamment là où il n'y avait pas de découverte. Abdelmadjid Attar, l'ancien ministre de l'énergie, au micro de Rimbou Kadoum. La création de l'UGTA le 24 février 1956, une autre date charnière dans la lutte du peuple algérien pour son indépendance. L'Union Générale des Travailleurs a grandement contribué dans le combat libérateur en mobilisant les classes ouvrières, Chaki Benzaoui. Jalon du processus de lutte et de maturation de la conscience politique et sociale des travailleurs, le 24 février 1956, la création de l'Union Générale des Travailleurs Algériens fait participer les travailleurs au combat libérateur pour l'indépendance. Avec près de 110 000 adhérents, l'UGTA participe activement à la réussite de la grève des 8 jours en laissant des martyrs, des prisonniers. Après l'indépendance, la centrale syndicale a accompagné la période de construction de l'Algérie. Aujourd'hui, les défis sont d'une autre nature. Il s'agit par les différents amendements, particulièrement la constitution de 2020, puis dans la continuité, la promulgation en 2023 de la nouvelle loi sur les libertés syndicales à promouvoir un environnement de travail plus équitable et permettre aux travailleurs de faire entendre leur voix de manière démocratique. À la lumière des défis de l'heure, il est crucial pour les syndicats ainsi que pour l'État de travailler en étroite collaboration pour participer à la réussite des politiques engagées et à la concrétisation du projet de l'Algérie nouvelle. Et 68 ans après sa création, la centrale syndicale demeure un acteur majeur dans l'action syndicale en défendant les droits des travailleurs à travers le dialogue et la concertation, comme le souligne son secrétaire général Amar Tarkjout au micro des petits Aladou. Il y a une seule chose qu'il faut mettre en place, les espaces d'expression, les espaces d'échange. Parce que l'UGTA, sa force, elle l'appuie dans la discussion entre féminines. Et c'est à travers la discussion et à travers l'échange qu'on pourra confectionner, constituer cette base d'arguments qui puisse nous permettre de négocier, de discuter, de renforcer les acquis et de gagner d'autres. L'UGTA, sa force, c'est la confiance unie par les travailleurs qui est importante dans la philosophie de l'organisation syndicale. Renouveler les structures, maintenir les congrès et les terminer à temps est l'essentiel pour nous parce que l'UGTA ne pourra pas vivre sans la confiance des travailleurs, sans la légitimité de ces structures. Et puis sachez que la célébration du double anniversaire, la création de l'UGTA et la nationalisation des hydrocarbures est le fil rouge de la chaîne 3 ce samedi. L'énergie, qui est d'ailleurs le thème phare la semaine prochaine avec la tenue à Alger du 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz. Le ministre libyen du pétrole et du gaz, Mohamed Aoun, a indiqué que le sommet revêt une importance cruciale compte tenu des bouleversements que connaît le monde, d'autant plus que le gaz sera le combustible de la transition des énergies fossiles vers les énergies alternatives et renouvelables. Il a souligné également que les pays exportateurs de gaz disposent de réserves pouvant dépasser 70% des réserves mondiales de gaz, ce qui confère à ce forum, et qui se réunit tous les deux ans,
une importance cruciale. Retour à présent en réaction au lendemain de la visite du président de la République dans la wilaya de Tindouf, où il a reçu son homologue mauritanien, Mohamed Ould Cheikh Al-Razouani, à propos des projets stratégiques lancés dans la route Tindouf-Zouirat et la zone franche. Les opérateurs économiques sont unanimes à saluer cette nouvelle dynamique dans les relations bilatérales. On écoute Kamel Moula, président du CREA. Il est contacté par Smaïl Mimouni. C'est une étape importante pour la relation algéro-mauritanienne. Ça va permettre de rapprocher les deux peuples, mais surtout de fructifier et intensifier la relation économique entre nos deux pays. La zone libre-échange, ça va encore booster les exportations algériennes et ça va créer les opportunités d'échange et d'affaires. Que ce soit pour les commerçants de la région en créant une vraie dynamique régionale, mais surtout pour l'industrie algérienne, mais ça va être un vrai levier pour nous pour conquérir des pays africains. Aussi, c'est dans la continuité logique, dans les accords ZECA et la politique de l'État pour booster l'export hors hydrocarbures. Kamel Moula, président du CREA, contacté par Smaïl Mimoudi, chargé par le président de la République Al-Majid Tebboune. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, prendra part aux obsèques du président namibien, Hage Geingob. Brahim Bourali a quitté hier Alger en direction de la capitale namibienne, Windhoek. Au moins 10 massacres ont été perpétrés par les forces sionistes contre les familles palestiniennes dans la bande de Gaza, faisant 104 martyrs au cours des dernières 24 heures. La famine touche des milliers de Palestiniens qui n'ont pas accès aux soins. Le système de santé s'est effondré et les aides arrivent à compte-gouttes à cause des restrictions de l'armée sioniste. Témoignage de Ronnie Broman, membre de l'ONG Médecins sans frontières, contacté par Karima Hasnaoui. Le rythme d'approvisionnement est extrêmement lent. Les Israéliens exigent de pouvoir contrôler l'intégralité de ce qui est amené dans la bande de Gaza. Parfois, ils écartent, pour des raisons qui les regardent, certains produits. Mais tout cela ralentit énormément, si bien qu'il y a des centaines, voire, me dit-on, des milliers de camions qui attendent du côté égyptien de Rafah de pouvoir passer, ce qui pose d'ailleurs des problèmes de conservation de certains médicaments qui doivent être gardés au frais. Et ce qui rentre dans Rafah, certes, est utilisé et est extrêmement précieux pour ceux qui en bénéficient, mais extraordinairement insuffisant, qu'il s'agisse de vivres, de nourriture ou de matériel médical et sanitaire. Ronnie Broman, membre de l'ONG Médecins sans frontières, contacté par Karima Hasnaoui. Et des experts de l'ONU ont appelé hier à l'arrêt immédiat des exportations vers l'entité sioniste d'armes susceptibles d'être utilisées à Gaza. Il s'agit d'une violation du droit international humanitaire, alerte le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. L'armée sioniste qui a ciblé hier également la maison du célèbre comédien palestinien Mohamed Zouaitar, blessé dans cette frappe qui a tué au moins 23 personnes et blessé plus de 50 autres. Zouaitar est suivi par plus d'un million de personnes sur les réseaux sociaux et ces vidéos ont été vues des millions de fois sur YouTube. Et le génocide du peuple palestinien par l'entité sioniste à Gaza, dénoncé une nouvelle fois par le président brésilien lors d'une cérémonie à Rio de Janeiro. Ce que l'entité sioniste est en train de faire, c'est un génocide car il est en train de tuer des femmes et des enfants, a lancé Lula. Mardi dernier, le président colombien Gustavo Petro avait emboîté le pas au chef de l'État brésilien, affirmant qu'à Gaza, il y a un génocide. Des milliers d'enfants, de femmes et de personnes âgées sont lâchement assassinés. En Argentine, des manifestations ont rassemblé plusieurs milliers de personnes dans diverses villes pour alerter sur l'urgence alimentaire dans une des mobilisations croissantes contre les mesures du gouvernement ultralibéral de Javier Milei. Sachez, aujourd'hui, un BMS a été émis par Météo Algérie et la vigilance est recommandée, BMS pluie et neige, sur tout le nord du pays, à compter d'aujourd'hui jusqu'à demain dimanche. Il y aura du football aujourd'hui avec la Ligue des Champions d'Afrique et faux pas interdit pour le Serbe Ouzdad qui joue à l'extérieur en Tanzanie. Il affronte à 17h Young's African pour le compte de la 5e journée. Le Shabab est ex-aequo avec les Tanzaniens, deuxième au classement du groupe D avec 5 points. Et en Ligue 1, la suite de la 18e journée du championnat aujourd'hui avec 4 matchs au programme, JS Kabylie, USM Khenchla, MC El Bied, MC Alger, MCO, US Souffé, MC CS Constantine recevra l'ASO Chlef, des matchs que vous pourrez suivre sur les ondes de la chaîne 3 dans Sport en direct dans l'après-midi. Hier, le Hasbnaq nous a remporté
une importante victoire dans la course au maintien en dominant la JS Saoura 2-0 et le NC Magra est revenu également avec une précieuse victoire de son déplacement chez l'US Biskra 1-0. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La météo, Fatima Chaf.